Bonjour, pouvez-vous nous présenter votre réseau ? Bonjour, Triba c'est un réseau de menuiserie, nous sommes le réseau leader en rénovation de l'habitat. Notre métier c'est la vente et la pose de menuiserie chez la clientèle de particuliers, donc tout ce qui a trait aux fenêtres, portes, volets, fenêtres de toit, portails, clôtures, portes de garage. Nous sommes un réseau qui a été créé en 1980 avec aujourd'hui 180 concessionnaires franchisés et 310 magasins en France. Notre objectif est d'atteindre 400 magasins d'ici 5 ans. Pour vous donner quelques idées sur le réseau Triba, le chiffre d'affaires moyen d'une concession, c'est 1 350 000 euros avec une équipe de 6 à 8 salariés, à la fois des commerciaux et des techniciens poseurs, donc un métier très varié pour le franchisé. Quels sont vos objectifs de développement ? Chez Triba, nous avons plusieurs objectifs de développement. Sur cette année 2018, l'objectif, c'est d'ouvrir 20 nouveaux points de vente, soit avec des nouveaux concessionnaires porteurs de projets qui vont nous rejoindre, soit avec des concessionnaires du réseau qui vont ouvrir ce que nous appelons un magasin secondaire en maillant leur territoire pour développer leur part de marché. Et nous avons aussi, bien sûr, des projets de revente de concessions entre 5 et 7 par an lorsque nos concessionnaires partent en retraite ou ont envie d'avoir une autre activité professionnelle ou de vendre leur concession pour déménager et en ouvrir ou en créer une autre sur d'autres régions de France. Quelles sont vos grandes actualités ? Chez Triba, en 2017, nous avons modifié le logo, qui est maintenant concepteur, fabricant, installateur. L'idée, c'est de pouvoir expliquer à nos clients que nous assurons tout le suivi du projet de A à Z, de la vente à la pose, par nos équipes de pose intégrées dans chaque concession. Nous avons aussi, depuis plus longtemps, modifié la signature publicitaire en expliquant que maintenant, Triba est là pour vous. Tout le monde connaît cette signature, qui est assez enthousiasmante pour les clients. Et la nouvelle actualité sur 2018, c'est la rénovation du concept qui change, où nous avons toute une nouvelle signalétique au niveau de la charte graphique et à l'intérieur de la concession, en insistant sur des meubles qui peuvent plus expliquer et démontrer quels sont les accessoires à proposer aux clients, comment se passe la pose dans une concession Triba. Donc l'idée est de rénover les magasins. À peu près un tiers du réseau sera rénové d'ici fin 2018 entre les magasins qui sont rénovés et les nouvelles ouvertures dans le réseau. Et enfin, quel message adresseriez-vous aux candidats ? Le message, c'est le suivant, c'est rejoignez-nous si vous cherchez une franchise qui vous accompagne dans la durée et qui a une notoriété forte. La marque Triba a 72% de notoriété spontanée. Ce qui est important aussi pour vous dans votre choix, c'est bien entendu de choisir une franchise rentable. Nous avons des chiffres d'affaires éloquents dans le réseau, 1 350 000 euros en moyenne pour une concession, avec un revenu net à disposition de 8 à 10% du chiffre d'affaires, une marge brute importante et nous avons aujourd'hui des concessionnaires heureux qui sont là depuis 10, 15, 20, 30 ans, puisque le contrat de concession est d'une durée de 3 ans au démarrage, puis tacitement reconduit ad vitam aeternam. Ce qui est important aussi, c'est de savoir que le budget d'investissement est relativement raisonnable chez Triba. On a recours à un apport personnel de 40 000 euros, ce qui n'est pas trop lourd. Voilà, tous les atouts sont réunis pour vous donner envie de nous rejoindre dans un métier qui est varié, au contact des clients, pour proposer des beaux produits haut de gamme et sur mesure aux clients, dans la décoration intérieure de l'habitat, un projet qui est important pour ses clients et qui seront satisfaits par les produits Triba. Merci, à bientôt.